Bonsoir. Bonsoir. Ahí, voilà, ahí estoy. Ahí está. Bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir Bonsoir. à tous. J'espère que ça va. Alors, ce soir, nous allons continuer sur notre lancée. Donc, s'il y a des nouveaux, je vous répète, je me répète, donc je suis Agathe. Et je vais vous présenter les régions françaises à raison d'une par mois. Voy a presentar una región por mes. Et donc, au mois de février, ce mois-ci, nous avons vu la région de l'Occitanie. Qu'est-ce? Et sa région, justo ahí, al sur, qui est au sud de la France, en contact avec les Pyrénées et avec la mer Méditerranée. Et pour aujourd'hui, nous allons voir ces principales villes qui sont donc Toulouse et Montpellier, que je vais vous présenter, et leur gastronomie. Entonces, hoy les presentaré las ciudades grandes principales de esa región, que son Toulouse y Montpellier. Voilà, Toulouse, que es esa ciudad que pueden ver desde el principio del mes ahí en la presentación. Y ahí ahora van a saber qué son esos monumentos. Donc, je commence par vous présenter un peu globalement ces villes et à les situer dans les régions. Donc, Toulouse est située en Haute-Garonne. Ce département ici, donc le département, c'est comme ça qu'on divise les régions. Así dividimos las regiones en Francia con departamentos. Ça s'appelle Haute-Garonne, Alta Garonne, c'est-à-dire Garonne, la rivière, parce que c'est là que commence la rivière. Toutes les régions qui se chaman haute en général, c'est parce qu'ahí empieza un río. Donc la Haute-Garonne, là nous trouvons Toulouse. Et Montpellier, presque au bord de la mer, casi cerca del mar, Montpellier, dans le département de l'Hérault. Voilà. Donc, ce sont les deux plus grandes villes de l'Occitanie. Ensuite viennent la ville de Nîmes, qui est ici dans le Gard, où il y a l'aqueduc assez connu que nous avons vu et où il y a beaucoup de vestiges romains. La ciudad de Nîmes, donde hay muchos ruinas romanas. Dans le Gard. Alors attention, Gard, no es la estación de tren, en ese caso termina en D. También es el nombre de un río. Le Gard. La estación sería la Gare. Et après Nîmes, la ville de Perpignan, qui est là dans les Pyrénées. Esas dos no la voy a presentar hoy porque ya la vimos recién, sino que la nombraba para que sepan en el orden cuál es la más grande y cuál es sigue. Donc, pour que vous ayez un peu une idée, à Toulouse, on compte 475 438 habitants, qui s'appellent donc les Toulousains pour les hommes et les Toulousaines. Montpellier, c'est presque la moitié, quasi la mitad. À Montpellier, on n'a que 288 600 habitants, les Montpelliérains et les Montpelliéraines. Donc, ces deux villes sont assez connues pour être des villes étudiantes. Voilà, à Toulouse, on a 130 000 étudiants à l'université. Attention, cuando decimos estudiantes, étudiants, en Francia pensamos más a después de 18 años, étudiants à la universidad o en una escuela de hautes écoles, pero no antes, no al colegio. Et Montpellier, 70 000 étudiants, ce qui est énorme par rapport à la population. Son muchos con respecto a la población. Sachant que l'université de Toulouse est la deuxième à avoir été créée en France. C'est une université qui a été créée en 1229. Donc, l'université de Toulouse est muy antigua, que fue la segunda que crearon en 1229, en ese año. Primera, me imagino, en París, tendría que averiguar, y la segunda fue en Toulouse. Voilà. Donc, nous allons commencer par voir la ville de Montpellier.
Empezaremos con esa ciudad y les propongo para empezar de ver un poco en imagen esa ciudad, un video de aquella que luego comentaré y presentaré más precisamente. Que maintenant, je vais vous présenter un peu plus précisément. Alors, petite précision, Montpellier, on ne prononce pas le T. Attention, Montpellier, no se pronuncia la T. Alors, son surnom, su apodo, sera Montpellier la surdouée, como la superdotada. C'est une ville, je ne sais pas si vous avez remarqué, un peu différente des autres villes. C'est une petite ville, un poco diferente de las otras, porque on va dire en France que c'est une ville jeune. Es una ciudad joven. ¿Por qué? Porque solo tiene 10 siglos. Elle n'a que 10 siècles. Elle ne date pas de l'Antiquité. Elle date du Moyen-Âge. Es de la Edad Media. En eso no es tan antigua como puede ser otras ciudades. No tan joven tampoco. Voilà, donc c'est la préfecture du département de l'Hérault, la ciudad principal de ce departamento, et elle est juste à 10 km de la mer. Et on l'appelle donc la ville des surdoués, la surdouée, pardon, donc superdotada, parce qu'elle a vu naître de nombreux penseurs ou d'artistes comme Auguste Comte, le philosophe du positivisme, Francis Ponge, un écrivain, un poète, ou encore Juliette Gréco, une chanteuse parisienne par la suite. Voilà, allá nacieron varios artistas y filósofos, por eso tal vez vendría ese apodo. También dar un apodo a una ciudad le da más dinámica, así que se podría explicar por varias razones y no hay una cierta. Voilà. Allá también vivieron Rabelais, André Gide, Paul Valéry, donc on pourrait penser que de là viendrait son surnom.
Et c'est aussi une ville très dynamique, donc très moderne. Elle a une croissance démographique assez importante et qui n'arrête pas de croître. Et on commence à rentrer dans le mode de vie méditerranéen. Voilà, les gens, les Français aiment Montpellier parce qu'il fait chaud, les températures sont douces. C'est sûr que allá empezamos con un clima de la Mediterránea. No hace mucho frío. El sol está acá casi todo el año y por eso nos gusta ir por esa zona también. Et on trouvera aussi une influence donc très très forte du sud dans les spécialités culinaires. Voilà, les spécialités culinaires de Montpellier, on va trouver beaucoup beaucoup de pizzerias et pasta también. Voilà, on se rapproche de l'Italie, on sent qu'il y a quelque chose dans la culture. Alors, je vais vous montrer un peu ce qu'on a vu en image. Donc ça, c'est un quartier néoclassique, un quartier très moderne qui s'appelle Antigone, dans les premiers quartiers que l'on a vus. Ici, on voit un arc de triomphe. Donc, c'est comme à Paris, salvo que el de Paris es algo más grande. Et il a été érigé en 1691, en l'honneur de Ludovico Magno, seria Louis le Grand, ou encore Louis XIV. Lo hicieron en el honor de Louis XIV, porque hay que saber que Louis XIV a régné durant 72 ans. C'est le règne le plus long des rois de France. Et c'est un règne durant lequel il y a eu aussi la paix très longtemps. Voilà, Luis XIV reinó durante 72 años y hubo mucha paz. Así que fue un rey querido que además de llamarse el rey sol, también llamaban el rey grande o alto, no sé, grande sería. Voilà, Louis le Grand, Ludovico Magno. En son honneur, on a cet arc de triomphe et on aura d'autres monuments que l'on va voir. Ici, donc, le jardin que l'on conseille de visiter. En général, conseillamos de visitar le jardin du Pérou. Et là, on voit encore un aqueduc, mais pas aussi vieux que celui du Gard. No tan antigua como el que habíamos visto de los romanos. Cet aqueduc date du 18e siècle. Oh, pardon. Es del siglo XIX. Et il est très long. L'aqueduc, donc Saint-Clément. La cathédrale, donc comme toutes les villes de France, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de cathédrales. Donc, sa cathédrale, elle est gothique. Elle est du 14e siècle, es del siglo XIV. Y la renovaron varias veces. Voilà, elle a été refaite plusieurs fois. À l'origine, c'est un cloître, une chapelle, c'est tout un ensemble. Que là, je ne peux pas vous montrer, il faudrait regarder bien sûr plus d'images. Voilà, l'origine est un. Oh, me olvidé la parole, pardon. Una capilla, un lugar donde vivían varios monjes, que habría que ver más en su amplitud. Voilà. Et après ça, donc, je vous propose de passer à la ville de Toulouse. Donc, Toulouse qui sera la ville la plus importante de l'Occitanie, son chef-lieu, comme on dit. Donc, c'est à la fois le chef-lieu de la région d'Occitanie. Es un título político el chef-lieu, es que él va a manejar las cuestiones administrativas de la región, de esa ciudad. Et c'est la quatrième plus grande ville de France. Voilà, après Paris, Lyon, Marseille, vient Toulouse. C'est une ville très dynamique aussi, très importante et très grande, qu'on appelle la ville rose. Donc voilà, es una de la cuarta ciudad la más grande de Francia y se llama la ciudad rosa. Donc je pense que si vous voyez la photo, vous pouvez deviner pourquoi on dit Toulouse la ville rose. Voilà, parce qu'elle est faite de briques, de ladrillos roses, de briques roses. Donc elle est traversée par la Garonne, je vous rappelle. La Garonne est el río que la cruza. Et son sport national, le sport très populaire, el deporte muy popular, c'est le rugby à 15.
il est très, très connu, le stade toulousain de Toulouse. Vous avez peut-être entendu parler. Voilà, dans le sud, en général, on fait beaucoup plus de rugby que de football. C'est practica mucho más el rugby que el fútbol en general en el sur. Alors, on suppose que son surnom vient de la brique avec laquelle elle a été fabriquée, la brique romaine. Los ladrillos romanos, los ladrillos que se usan en todo lado, esos rosas, fueron inventados por los romanos en Toulouse. De ahí podría venir el apodo. Mais il y a peut-être d'autres raisons. À Toulouse, on parle avec un accent que je ne vais pas imiter parce que ce n'est pas mon accent. À Toulouse, il y a un accent chantant. En général, on sent vraiment... Se escucha a alguien de Toulouse hablar y se escucha un acento, algo que canta, qui viendrait de la langue occitane. Justement, c'est ce qui arriverait aujourd'hui de la langue occitane. Et si les Toulousains prononcent la ville de Toulouse, ils vont prononcer la fin, Toulouse. Et il est possible que Toulouse et rose, ce soit une rime assez forte. Voilà, si les prononcions qu'on a l'acento de la région, Toulouse et rose, van a tener una rima. Voilà, je ne sais pas si c'est de là, si c'est pour sa couleur. En tout cas, c'est une très belle ville qui se voit rose. Además, al momento del atardecer, el color es aún más fuerte. Si vous voulez écouter un peu plus cet accent du sud, vous pouvez écouter le groupe de musique Zebda, pour ceux qui aiment un peu plus le reggae, et sinon Francis Cabrel. Donc Francis Cabrel n'est pas de l'Occitanie, il est d'Agen, il est de la Nouvelle-Aquitaine. Mais l'accent est assez similaire. Si quieren escuchar un poco más ese acento, pueden escuchar el cantante Francis Cabrel. Tiene algo como cuando habla, canta también. Que no es de aquí, pero es de la Nouvelle-Aquitaine que queda cerca y el acento es bastante parecido. Voilà. Donc Toulouse, en Occitanie. Alors à Toulouse, on va voir en premier un peu l'histoire de la ville. La ville, si, dans ce cas-là, est liée à son fleuve, à la Garonne, qui lui a permis une richesse commerciale et agricole dès le 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est une ville de l'Antiquité. Es una ciudad muy antigua y que se permitió crecer gracias a la Garonne, a ese famoso río que la cruza. Ce très, très beau fleuve. On a aussi à Toulouse le canal du Midi. El canal de Midi, donc je vous rappelle, le Midi, no es el mediodía en ese caso, sino el sur. On désigne le sud par le mot Midi parce que à midi, le soleil désigne le sud. Al mediodía, el sol nos indica el sur. Voilà, donc le canal du Midi es un canal que hicieron en 1681 pour relier Toulouse à la Méditerranée. Acuérdense que la Garonne pasa en Toulouse hasta Bordeaux para terminar en el Atlántico. Si luego tengo un canal que va hasta la Méditerranée, je peux relier, puedo ligar l'Atlantique et la Méditerranée. Quelque chose de très important. Et enfin, c'est une ville qui a toujours été très importante et très puissante. Voilà, c'est une ville qui était la capitale du royaume Visigoth, ensuite la capitale du royaume d'Aquitaine et ensuite la capitale du comté du Languedoc. Siempre fue una ciudad muy importante al momento que eran condados o reinos distintos a la época feudal, la Edad Media. Siempre fue una ciudad muy poderosa. Continuons un peu en voyant des images de la ville. Donc je vous présente, il y a beaucoup de fontaines dans Toulouse, muchas fuentes en Toulouse. Ici, la fontaine de la Trinité. Encore une fois, avec des murs derrière roses. Voilà, c'est une ville très, très photogénique. Van a poder encontrar muchas fotos de esa ciudad porque il y a beaucoup de ruelles, son cachecitas, il y a beaucoup de petites cours qu'on peut découvrir qui sont très vieilles et qui sont très belles. Donc, je vous répète ici le verbe à Toulouse, c'est très bien de flâner. Flâner, c'est il y a... No vagabondear, sino caminar sin objetivo.
ahí mirando por arriba, por donde queremos. Voilà, flâner. En général, on conseille de rester 2 ou 3 jours à Toulouse parce que même si tout est dans le centre-ville, on se perd facilement, on a toujours envie d'aller par là, pour découvrir de nouvelles rues. Voilà, en général, les aconsejo de quedarse 2 o 3 días en Toulouse porque si bien el centro de la ciudad concentra todo, parece chico y hay muchas cosas para ver. Voilà, on a le très très beau clocher des Jacobins. Donc le clocher, c'est là où il y a la cloche, la campana, qui est octogonale. Donc c'est un chef-d'œuvre de l'architecture gothique méridionale. Et encore une fois, en brique. Voilà, c'est una obra maestra de l'architectura gótica del sur. En ladrillo, obviamente. Donc, acá también era todo una capilla con conventillo, con... otra vez me olvidé esa palabra. C'est un lieu très important et très vieux, donc c'est du XIIIe siècle. Eso es del siglo XIII. Vous voyez ici l'intérieur absolument impressionnant de l'église des Jacobins. Donc, eso es justo lo que acabamos de ver, sino adentro. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'on ne sait pas monasterios. Qui est l'architecte. Monasterios serían. También, sí. Había monasterio, un cloître. Eso es la palabra que busco. Un couvent et un cloître. Pero sí, en esa idea. Merci pour l'aide. Voilà, donc on continue avec les autres. Le fameux dôme que vous avez vu sur la photo, qui est le dôme d'un hôpital, l'hôpital de Grave. Donc, c'est un très grand hôpital de 6 hectares au bord de la Garonne. Voilà. Et aujourd'hui, ce dôme... Alors, l'hôpital est ancien, l'hôpital est antiguo, pero ce dôme qui appartient à une chapelle est más nuevo. C'est del siglo XVIII. Et aujourd'hui, dans ce dôme, on va faire un centre. Il y a un projet pour faire un centre culturel, pour que ce ne soit plus une chapelle. Et enfin, le pont neuf. Alors, il y a beaucoup de ponts. Il y a eu beaucoup de ponts. Hubo muchos puentes sobre la Garonne. Pourquoi? Parce que beaucoup ont été détruits. Muchos fueron destruidos. ¿Por qué? Parce que, souvenez-vous, la Garonne, c'est un fleuve alimenté par des torrents de montagne. En la Garonne, vienen muchos ríos de la montagne. Donc, c'est un fleuve qui peut être tout d'un coup très puissant. Se puede volver muy poderoso de repente et emporter beaucoup de ponts. Las construcciones no resistían. Así que llegaron a un momento, bajo Louis XIV, ils ont réussi à faire un pont résistant grâce à ces ouvertures ici. Ce fameux pont donc, qui s'appelle le pont neuf. Encore une fois, en briques, en calcaire et en gris. Les 3 piedras distintas que le dan 3 couleurs distintas que se reflejan en la Garonne. C'est vraiment une ville très poétique, très belle. Voilà, donc la Garonne entre souvent en crue. Suele pasar que se inonde. Por eso vemos que las orillas tienen paredes bastante altas. Voilà. On protège la ville parce que c'est assez souvent qu'il y a des crues. Hay que pensar que al principio esas orillas no eran tan deseadas, era el barrio pobre, el barrio donde había los carniceros, todos esos trabajos que necesitaban tirar cosas sucias al río. Voilà, on trouvait les écarisseurs, on trouvait les tanneurs, on trouvait les bouchers, tous ces métiers assez malodorants. Donc, personne ne voulait habiter là. Et aujourd'hui, hoy en día, c'est le quartier où tout le monde veut habiter pour avoir une vue sur la Garonne. Aujourd'hui, hoy en día, todos quieren estar acá para poder ver la Garonne. Et enfin, une petite photo du canal du Midi. Vous ne pouviez pas le rater. C'est vraiment un très beau canal. Donc, le canal du Midi, quand il a été commencé au XVIIe siècle, le Cielon en el siglo XVII, c'était un des plus grands chantiers de l'époque en Europe. Una de las obras más importantes de la época. Et c'est un des plus anciens canaux d'Europe qui fonctionne encore.
Es uno de los más antiguos canales que sigue funcionando hoy en día. Et en 1996, on l'a inscrit au patrimoine de l'UNESCO, ce très beau canal. Donc, comme siempre, se puede recorrer en randonnée, à vélo, à pied ou en bateau. Et pour terminer, je vous présente quelques spécialités culinaires toulousaines que peut-être vous connaissez, en commençant par le fenêtre. Donc, le fenêtre, c'est un gâteau composé d'amandes, de citron, confit et d'abricot. Entonces, sería almendras, limones confitados y damascos. Voilà, un gâteau très frutal. On a une autre spécialité qui va vous paraître peut-être étrange, mais qui est aussi un des symboles de Toulouse, c'est la violette. Donc, la violette, c'est une fleur. Aujourd'hui, c'est à la mode de mettre des violettes dans les salades, par exemple. Hoy en día, c'est assez de poner flores en general en las ensaladas. On la retrouve dans du miel. On la retrouve dans les sirops, dans les liqueurs, dans les bonbons, en los caramelos. On peut même la retrouver dans le vin. Donc, c'est vraiment quelque chose de typique qu'on va retrouver partout à Toulouse. Et enfin, les briques du Capitole, donc une brique, un ladrillo, on ne pouvait pas avoir ça qu'en architecture, on a mis ça aussi dans la gastronomie. Alors, se llaman ladrillos porque tienen la forma, y nada más. Ce sont des petits bonbons, donc caramelos, faits de pâte feuilletée et de praliné. Voilà, délicieux petits bonbons typiques de Toulouse, hechos con masa hojaldre y praliné. Pralinea, pardon. Voilà. Et on va terminer sur une petite anecdote. Vous savez qu'en France, donc, on a beaucoup de cultures différentes. On a beaucoup de lexiques différents. Et à Toulouse, il y a un mot différent avec le reste de la France qui fait qu'on fait beaucoup de blagues. Voilà, existe una palabra específica a Toulouse y también al sur, en general, que provoca muchos chistes. Alors, à Toulouse, comme partout en France, on a des boulangeries. Évidemment, hay panaderías. Les boulangeries vendent des croissants et on vend aussi des viennoiseries faites de pâtes feuilletées enroulées autour de plusieurs barres de chocolat noir. Vous voyez de quoi je parle? C'est très bon, c'est délicieux. Et alors ça, à Toulouse, il faut l'appeler la chocolatine et non le pain au chocolat. Dans tout le sud, on appelle ça la chocolatine. Je vous le dis, c'est assez important. On fait des blagues dessus. C'est quelque chose qui est très important en français. No es tan sin saber que la comida para nosotros es una de las cosas más importantes. Sinon, la cosa más importante, c'est la chose la plus importante. Jusqu'à ce qu'on dit, la légende dit que dans les boulangeries, si vous demandez un pain au chocolat, on va vous le vendre plus cher que si vous demandez une chocolatine. On nous cuentan que si pido le pain au chocolat con el nombre francés, lo vendrán más caro que si pido la chocolatine. Voilà. Sachez-le. Et ce sera tout. Je vous propose de terminer en regardant encore une fois quelques petites images en vidéo de Toulouse, maintenant que vous connaissez si bien cette ville. Y si quieren, para terminar, vemos unas imágenes en vidéo. Thank you.
Merci. Alors, le mot que je cherchais, c'était convento. Convento. Bueno, merci beaucoup. Merci, Sylvia. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, pardon, la semaine prochaine, on va commencer une autre région. Donc, je vous attends à la même heure. On commencera donc la région de Marseille, de Nice, d'Antibes. Oui. Voilà. Bueno. À mardi. À mardi. Bonne soirée. Merci à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.